Salut à tous et à toutes les amis, c'est Freddy278, j'espère que vous êtes bien, que vous êtes chaud patate. On se retrouve aujourd'hui donc pour la fin des morceaux de lettres de GTA V. Alors, vous voyez comme vous pouvez le voir plutôt, on est à l'aéroport. Et oui. Alors j'ai pas compris pourquoi le bruit de la feuille s'est fait en haut. Puisque vous allez voir où elle se trouve. Et j'étais blasé, franchement. Alors attendez, elle se trouve par là. Je me gare. Voilà, regardez, on la voit d'ici. Regardez où elle est. Voilà. Voilà où est la feuille. Donc heureusement qu'il y a eu le bruit en haut, hein, qui m'a bien trompé. Ensuite, c'est pas fini. On va aller au niveau des docks. Alors ça se trouve, alors attendez, une, deux, et ça va se trouver par là. On va se mettre ici, voilà. Alors c'est parti, pardon. Alors, à l'heure où je vous fais cette vidéo, le DLC trafic d'armes est sorti. Mais ça va être très très chaud pour vous faire une vidéo dessus parce que, comment vous dire, j'ai regardé le live de la salle pour tous ceux qui connaissent. Si je vous dis le nombre total de ce qu'il a dépensé pour le DLC, vous allez dire ok, on comprend, parce que franchement je voudrais juste dire un truc à Rockstar, franchement. Arrêtez de mettre des sommes astronomiques pour... Enfin voilà, je sais pas. Le bunker, par exemple, il vaut 3 millions. 3 millions, les joueurs n'ont pas forcément 3 millions. Faites des choses plus abordables. Par exemple, 1 million, ouais d'accord, comme le yacht. Le yacht, vous voulez acheter, il y en a pour 10 millions. Donc, les joueurs n'ont pas les sous pour acheter ça. Ça, je pense que Rockstar ne l'a pas encore compris. Voilà, je peux comprendre que c'est dans la réalité, ces choses-là coûtent très très cher. Excessivement cher, on pourrait dire même. Mais voilà, on n'a pas tous les sous pour acheter ça. On va pas faire des cartes bancaires pour acheter des dollars shark. Donc voilà. Donc c'est un peu dommage. Puis forcément, bon, en même temps, la salle... je dis pas qu'il a triché, attention. Attention, loin de là, j'adore la salle, j'adore la salle. Franchement, c'est un super youtubeur. Le seul truc qu'il y a, c'est que... je voudrais rentrer, s'il vous plaît. On va passer par là. Allez, ouvre-moi la porte, please. Bonjour. On va passer par là. Si ça passe, voilà. Alors, ce serait... Mais franchement, c'est vrai qu'il a pu, à l'époque, utiliser... Je crois qu'il est sur ce bateau, là. Je suis pas sûr. Il a utilisé les trucs de triche à l'époque. Hein, moi franchement Rockstar l'interdirait pas, franchement je le ferais pour gagner plus d'argent. Moi j'ai pas envie de le faire, voilà, de toute façon je le ferais pas, c'est un coup à se faire bannir. Celui-là je m'en suis souvenu, celui-là, je sais pas pourquoi. Ensuite, où est-ce qu'on va? Nous allons aller. Tac tac. Nous allons aller. Alors c'est à peu près. C'est à peu près. Par là. Ici. Ah, mais ça va être dessous, là. Bon, ce qui veut dire qu'il va falloir que je garde la voiture là et que j'y aille à pied. Je passais par où, moi, d'ailleurs? Je sais même plus. Je passe par là. Voilà. Bien joué, Trevor. Allez! Qu'est-ce que tu me fais, Trevor? Allez, hop, c'est reparti. Et pourquoi tu passes... D'accord, bon. Trevor prend les chemins les plus longs. Bien joué. Ouais, moi j'en ai rien à foutre. Voilà. Après tout, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça dès le départ. Ça aurait été plus rapide. Et alors, une fois qu'on aura rassemblé tous les morceaux de lettres, je vous lirai la lettre. Et on fera la mission... avec Trevor, à moins qu'on est obligé de prendre Michael, et là dans ces cas là bah, on ira chercher Michael. Allez, dégage toi putain.
Merde, désolé. J'étais concentré sur le camion. Attendez, on va se mettre ici. Voilà. On pourra remonter. Bah descend. Voilà, on pourra monter par là. Allez. Allez. Il y a du mal à grimper, Trevor, là. Voilà, on va passer par là. Chut. Hop là. Et c'est parti pour de la marche à pied. Et elle se trouve sur un des trucs là. Oh, putain, j'espère qu'il n'y a pas trop long à faire, putain. Alors, apparemment, pour l'instant, si. Oh, c'est pas grave, ça fait de l'endurance à Trevor. Là, y'a rien. Ah, franchement, si c'est encore plus loin, j'aurais mieux fait d'y aller avec la bagnole directe. Ah, bah non, regardez, c'est là. Voilà. On en est à, donc, 43. Celle-là, elle est faite. Ensuite, on va remonter un peu dans la map. Ah oui, bah évidemment, faut short avant. Voilà, c'est parti, on va ressortir. Et on va... Pardon, on va aller vers le LS Custom, où se trouve la prochaine feuille. Je suis juste en train de me demander si je vais pouvoir bien ressortir là. Question. C'est possible qu'il y ait une possibilité qu'on puisse bien sortir. C'est très logique. Puis hors de question, je plonge dans l'eau. On va encore mettre 20 ans pour... Non, regardez. Hop, on passe par là. On prend les escaliers. On prend la caisse. Ah, et du coup, on va se mettre le point, peut-être. Alors, ça se trouve... Tac. C'est ça. Alors, par contre, attends. Ça se trouverait à peu près ici. Voilà. Attends. Non, j'allais dire, c'est la rivière, ça. Je suis en train de me planter. Mais c'est pas grave. Allez, Trevor, tu remontes dans la bagnole. Direction le LS. D'accord. C'est pas grave. S'il vous plaît, on laisse passer Trevor, merci. On va suivre le... Le GPS, même si j'ai un doute qui m'a emmené au bon endroit... merde, qu'est-ce que je fais vous ? Même si j'ai un doute qui m'a emmené au bon endroit, mais bon, c'est pas grave. Allez, je serais parti tout droit, c'était pareil. Enfin bon. Parce que maintenant, faut que je redescende. Le LS, il est là. Ouais, avance du con. Alors. Faut le trouver maintenant. Moi je serais partant pour là-dessous. Et non.
coups de shoot que j'ai fait dedans. Eh, je suis un bâtard. Alors, où est-ce qu'il peut être ce morceau de feuille? Est-ce que vous pensez qu'il peut être là-haut? Je sais pas. On va regarder ça. Et puis j'aurai peut-être une meilleure vue. Là, je vois rien. On va essayer vers les containers là-bas. Trevor, t'es une merde. Passer par là. C'était la minute gaffe de Trevor. Bon, on va faire le tour. Ah, peut-être dans le container. Perdu. Ah, peut-être dans celui-là alors. Rien non plus. Ouais, il doit bien être quelque part. Oh, magnifique. Ça se trouve, je vais peut-être trop loin. Ou ça se trouve, il est peut-être par là. Y'a quoi là-dedans? Ouais. Dans celui-là, y'a quoi? Rien. Ça, c'est quoi là-dedans? Bon, là-dedans, y'a rien. Moi, je vous dis que j'en sais rien en fait. Mais j'essaierai bien là-bas, je sais pas. Alors ça. Ah mais attends. Attends. C'est pas celui-là où il est sur un pilier ou je sais pas quoi. Parce que là, c'est possible que la bagnole de Trevor m'aide là. Si elle m'aide pas, on ira chercher autre chose, vous allez voir. Après, on a la Trevor de bagnole. La bagnole de Trevor. Bon. Bon, est-ce qu'elle a des seins, hein? Voilà, Trevor, j'ai besoin de ta bagnole. À moins qu'elle fasse peut-être l'affaire. Ah, stir, you piece of shit! T'énerve pas Trevor, c'est bon. Ta bagnole a démarré. Hein. Ça me paraît bizarre parce que bon, ça m'indique là-bas. Attendez. Non, moi ça m'indique là, hein. Enfin, l'autre côté. Alors attends. LS Custom. Tac, tac, tac. Et c'est indiqué à peu près par là. Ou sinon, attendez. I am not very sure. Bah, c'est impressionnant. Où est-ce qu'elle peut être, ce putain de morceau de feuille? Attends. Te garde pas là. J'ai mes raisons. Mets-toi là plutôt.
Voilà. On descend. Y'a rien là. Non, c'est un peu éloigné, c'est plus vers le pont. Oh, puis il va y rien avoir sous le pont. J'ai entendu. Je l'ai entendu. Le train, il va pas m'aider là. Pourquoi je l'entends? Putain, je vous jure, c'est pas des conneries, j'entends le morceau de feuille. Oh my god. Putain, puis j'ai pas envie d'y passer la vie. Ah, ça me dit juste avant le pont. Là, il y a ça. Et moi, je vais vous mettre précisément le pont où ça m'indique où est la feuille. Ça m'indique... Encore un peu. Je l'entends, mais sérieux quoi. Ouais, franchement, me dis pas qu'il y a encore un saut à faire parce que putain, non. Écoutez, là ça a pas l'air. Parce que c'est, ça a pas l'air d'être au niveau du pont, c'est ça le problème. Mais quand je me rapproche du pont, je l'entends. Oh my god. C'est quoi ce délire? C'est que je l'entends, c'est ça qui me saoule. C'est ce qu'on va faire, on va aller voir, on va monter sur le pont et on va voir. Parce que là, il n'y a pas d'autre solution de toute façon. Là, je vois que ça à faire parce que là, franchement, je vois rien. Mais bon, si encore une fois il m'a dit qu'un autre endroit que là où c'est indiqué, c'est chiant. Attends. On va passer par là, tac tac, on remonte. Euh...
Et je l'entends, quoi. Allez là. My God. Le point était pas encore bon. Merci GTA. Alors, ensuite. Hop, c'est un peu plus haut. Ah, c'est vers Vinwood, pardon. Alors, on a ici. Et ça va être par là. Alors, j'espère qu'il n'y a pas besoin d'hélico encore une fois, parce que... Mais j'ai peur qu'il y ait un moment où on aura besoin d'un hélico. Ah merde, je pars du mauvais côté. Ouais, quoique. On dégage, please. Bah dégage avec ta merde là. Oh, c'est encore mieux, elle est morte. Alors. C'est ça. Ah! Ouais, d'abord. Alors, c'est au niveau du motel. Apparemment. Alors, le morceau de feuille. On va déjà fouiller par là, hein, on sait jamais. Est-ce que là, est-ce qu'il va y avoir un moyen de monter. Bon, déjà, c'est mort, il n'y a pas de moyen de monter. Donc, on redescend et il n'y a rien. T'es impressionné, gros. Je peux comprendre. J'ai pris quoi là? J'ai pris un truc, je sais même pas ce que c'est. Ça craint? Alors attendez, parce qu'il va falloir trouver. Ah bah voilà. Un endroit pour monter. Et. Oh, regardez où on est. Qui c'est qui a mis la musique? Je vais avoir un copyright, bande de cons. Là. Alors. Bon, déjà, elle est pas là. Ce qu'elle peut être de l'autre côté. Non plus. On va être où? Je l'entends, c'est ça le pire. C'est ça le truc le plus stressant, c'est quand vous entendez, mais vous savez pas où. Alors, attends. Bon, je l'entendais un peu plus de l'autre côté, par contre. Par contre, il n'y a pas... Oh, regardez où elle est. Alors, attends, par contre, je vais m'éloigner avant. Quoique, ça coupe, c'est bon. Alors, le prochain morceau. On va aller plus haut. Alors, ça va être... attendez, merde, hop, je fais le con. Alors, il y a le... attends. Attendez, je me suis perdu, là. C'est plus par là. C'est ça? Voilà. Et ça va se trouver... par là. Tout simplement. Ah, bien évidemment, on cherche ensemble. Hein. Ça y est, fille! Je connais pas. Tiens, on vous demande, je le connais pas. Désolé. Allez, hop, c'est parti. Allez, 400 mètres à faire. Eh, vous êtes témoin, je lui ai klaxonné, hein. Allez, casse-toi. Ah, c'est pas ma faute, c'est lui. Ouais, on peut prendre là. Enfin, je pense. Je suis pas sûr. Passer là. Bah
Oh my god! Ah, je te vois d'ici, regardez. Ensuite, le prochain. Il va se trouver. Alors, il y a le truc en construction, ici. Et il va se trouver apparemment plus par là. Voilà. Allez, c'est parti. On récupère la bagnole. De toute façon, j'ai pas le choix. Ah, faut que je fasse. Ah, pas par là. Par là. Voilà. Monte sur le toit. Oh putain, Trevor, t'es magnifique. Tu me fais rêver. Non, j'ai dit rêver, pas bander, attention. Quoique ça dérangerait pas Trevor. Allez, c'est parti. On va tricher un peu, hein. On passe par là. Ah, faut avancer, ouais. Allez, zou. Et quand on aura fini les morceaux d'aide, prochain let's play, donc je tiens à le préciser, ce sera le foot, on finira la saison. Hein, je veux la finir cette saison, sinon on va arriver au mois d'août, la prochaine saison va commencer, j'aurai pas fini. Hop, quoique on peut passer à droite. Pardon, excusez-moi, voilà. Et donc ce serait ici. Et si mes souvenirs sont exacts, même si ça fait... des années, enfin peut-être un an que j'ai pas voilà, que j'ai pas fait les morceaux de lettres. On va se trouver quelque part là, regardez. Allez, 47ème, il nous en reste plus que 3, les amis. On va commencer par celui-là et j'espère qu'il est pas sur le toit là par contre. Attendez. Oh, putain, t'es sérieux, c'est pile là où il y a le... Oh putain, il me faudra un hélico, je le sens venir. Attends, on va peut-être récupérer la bagnole déjà. On peut monter par route, s'il vous plaît. Bon bah, on va faire le tour. La la la. Pas de copyright, please. Alors. J'avais du mal à démarrer. Au pire, sinon on va chercher le dirigeable, hein. Mais j'ai peur que c'est en haut. Mais on sait jamais, on va regarder quand même. Excusez-moi. C'est pas comme si je les avais pas prévenus, hein. On est d'accord. Si me veut le... Tard, si je m'énerve. Je sais pas, j'ai envie d'essayer là en fait. C'est quoi ça? Y'a pas un truc à briller là? Oh merde, c'est une loupiole. On va essayer déjà en bas. Et je vois rien. Y a rien. On sait jamais. Eh, vous avez vu comme ils ont lâché l'affaire direct? Même pas, ils ont cherché à comprendre. Ce qui m'inquiète, c'est que le pont où il y a... Je vais regarder en bas. Oh, trop fort! Il est tombé! Ah, mon dieu! Alors, s'il n'y a rien là, on montera sur le... Attendez, j'ai un doute.
J'ai un... Il est pas sur le... Sur la grue. Alors, le chemin risque d'être un peu long, les amis. Pour aller à la grue. Enfin, pour monter jusqu'en haut. Du moins. Allez, c'est parti. Ascension de Monsieur Trevor. Ah, elle est grande celle-là, vous allez voir. C'est pas des paroles en l'air. Voilà. Un étage. On y va doucement. Pas faire le con. Allez, deuxième étage. Troisième. Enfin, on monte au troisième, du moins. Voici le troisième. Allez, on monte au quatrième. Voilà. C'est parti pour l'ascension du cinquième. Voilà. On monte au sixième. Alors, si jamais c'est vraiment au-dessus carrément du machin, parce qu'on peut pas vraiment trop y aller si vous n'avez pas bien évidemment de d'hélico ou autre. C'est soit il qui se lève ou... Ah non, il se couche. Le mec il se rappelle plus de ce qu'il a fait, c'est dans GTA déjà, ça y est. Ça le fait, des fois, ça le fait. Oui, je sais, c'est long. Mais je peux pas y faire grand chose, les amis. Chantez une chanson en attendant, ça vous occupera. Prépare un gâteau, je suis pas arrivé encore. Hop, 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 fais pas le con. Quand je vous le dis, je suis pas arrivé. Ah, tu... Eh, là-haut, il veut pas me prêter son hélico. Ah, j'aurais moins galéré, hein. Parce que là, je peux pas appeler Mary Weather, hein. On n'est pas en mode online. On n'est pas en mode online. Regardez déjà tout ce qu'on a monté, eh, ça fait haut. Moi franchement je vous le dis clairement, je le montrerai pas. Peur du vide comme ça, non. La 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 la. Pardon. Ah oui, j'ai pas grand chose à dire le temps qu'on monte, hein. Belle vue, hein. Eh oh. On fait pas ça, Trevor. C'est les derniers. Oh, Jésus, Marie, Joseph, on est pas arrivé. Oh, putain. Ouais, c'est l'avant... Ah, je crois que c'est l'avant-dernier, là. Et si je peux confirmer que c'est l'avant-dernier... Je le confirme, c'est le cas, c'est l'avant-dernier. Parce que là, sinon, on pourrait, ouais. Ça serait short. Hein. Parce que là, faut vraiment pas se louper, quoi. Voilà! Tu peux me dire que la feuille est là, ce serait très très gentil. Alors écoutez, on va partir par là déjà. Et il n'y a rien. Ah, regardez où elle est. Faut monter.
mais je crois que j'ai pas de parachute. Si, j'ai des parachutes, nickel. Donc celui-là, c'est fait. Putain, fallait le monter celui-là. Hein. Attends, ils sont les deux derniers. Alors le prochain, il est vers Blacklot City. C'est-à-dire... Oh là, putain, attends, il y a un carnage là. C'est-à-dire qu'il va être ici. Et je... C'est au cinéma. Bah, on saute ? On va pas faire le con. On va déjà se diriger vers la bagnole. C'est vrai, fuck. Voilà, heureusement que j'avais des parachutes, je vous le dis, moi. Allez. C'est parti. Allez. Oui. Ah, c'est plus intéressant la route quand même que le... Que la grue, faut dire ce qui est. Allez. Et les prochains let's play de GTA qu'on fera, on essaiera d'aider un peu les PNJ. Alors, c'est parti pour le cinéma. Je peux rentrer s'il vous plaît ? Je peux rentrer s'il vous plaît ? Eh ben, je vais rentrer quand même. Attends. On va se garer là. Je suis plus par où. Je suis à deux doigts de dire, je sais plus par où on monte. Alors... J'ai entendu. Sérieux, je te jure, t'es en bas, je te... Eh, franchement, t'es un bâtard. Regardez où elle est. Tête d'homme. Ah, je peux remonter par là, nickel. Voilà. L'avant-dernière est faite. Et on va aller chercher la dernière car je sais vraiment où elle est. Elle se trouve tout simplement ici. Là. Va falloir aller dessous. Allez, c'est parti. J'en aurais perdu de la vie, hein, ça faut le dire. Ce qui est bien, c'est que quand vous cherchez des trucs comme ça, ce qui est bien, c'est que vous avez vraiment un indice qui fait que vous vous approchez. Que ce soit les morceaux de vaisseau ou... T'as mis la barrière en route, c'est con. T'aurais pas dû. Parce que je ressors.
dégage toi. Ouais, c'est ça, ouais. Tard, j'ai trop trouvé, moi. Merde, je t'entends rader le point. Quoique. Voilà, alors on va faire descendre là. Le prochain let's play, ce sera simplement un triathlon de Monsieur Franklin. Voir si tu plonges au pire. Hein. Voilà. Surnaturel Trevor. Allez, la radée. Et on a la 50e, ça y est. La lettre dit donc le 15 mars 75 à l'attention de David Wichart. Mon cher David, je sais que tu m'en veux un peu depuis que tu as découvert ma petite indiscrétion, mais il faut que tu comprennes qu'il n'y a vraiment pas de quoi en faire un plat. Oui, j'avoue qu'on aurait pu qualifier mes actes d'inhumains. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. L'inhumanité est le leitmotiv, la monnaie, le sang même de l'artiste. Mon inhumanité me rend humain. C'est grâce à elle que je peux m'exprimer avec l'autorité morale du pêcheur et du créateur à la fois. Je devais la tuer, et la tuer de cette manière. Celle qui me ferait souffrir le plus, en la torturant lentement et cruellement, puis en envoyant des souvenirs de notre rendez-vous à sa famille. Par la suite, j'ai parfois ressenti le besoin de faire souffrir davantage ses proches, simplement pour prouver que je compatis à leur douleur, et que je peux la représenter le plus fidèlement grâce à mes talents d'artiste. Qu'est-ce que la souffrance d'une famille à côté des immenses bénéfices que le reste du monde peut retirer de mes œuvres ? Inutile de répondre. La réponse est évidente, et si tu n'es pas d'accord, tu n'es pas l'homme que je croyais. Mais oublions ces bagatelles. Nous sommes des artistes, mon ami. Les derniers survivants d'une race en voie de disparition. Je redoute le jour où Solomon prendra ta place quand tu prendras ta retraite. Je n'ai rien contre lui, mais ce n'est qu'un amateur, sans scrupules, qui n'aura jamais ta passion ni ta créativité. C'est un moralisateur faiblard qui se cache parmi les dégénérés de Winwood. Il y a combien de pages? Ah. Il ne comprend pas notre raisonnement. Ce que nous faisons, ce n'est pas parce que nous avons la capacité, mais l'obligation. Le problème, c'est que dans cette ville, certains profitent de leur statut pour le plaisir. Comme si on pouvait aimer coucher avec une ribambelle de jeunes filles, torturer des autostoppeurs ou manger des chiens. C'est affreux. Je ne le fais que pour vivre ces expériences et donner une dimension plus profonde, plus significative à mes œuvres. Mais tu le sais déjà. J'ai hâte de te faire lire ma nouvelle version de Lyred, peut-être. J'ai supprimé tous les clichés qui gâchaient les pièces de Shakespeare et trouvé la force, le moment, la chose dont nous avons parlé lors de cette merveilleuse nuit au Mexique, quand nous avons payé des prostituées pour se poignarder les uns les autres. Bref, j'espère que Rachel et toi avez réglé vos problèmes. Je suis impatient de pouvoir recommencer nos dîners du vendredi. Tu as toujours été une source d'inspiration pour moi, ton cher ami Dreyfus. Voilà. Voilà ce que vous découvriez dans la... Ce que vous découvrez, pardon, dans la lettre. Je peux pas monter là ? Mais là, je peux pas ? Si. Et normalement, il me semble qu'il y a... Bon, manque de bol. C'est Franklin qui doit faire la mission. Donc on va... Alors. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On fera la mission plus tard. Parce qu'on va pas changer de personnage.
Quoique si j'avais dit que je le ferais. De toute façon, ça se déroule là-bas. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Je vais être sûr, il y a la mission de Trevor. Bon, c'est ça. Donc, on va faire un truc. On va changer de personnage. On va faire la mi... Pardon. C'est parti. Prenons Franklin. C'est à Franklin de faire la mission. Salut poupée. Ouais, elle est bonne, ouais. T'as garé où ta moto? Là. Qui est le tueur et où le trouver? Bah ouais. C'est là quoi. Assassin, voilà. Un peu plus. Franklin, prévention s'il te plaît. Merci. Oh putain, pas plus. Hey, you got off lucky, homie. On y arrive les amis, on y arrive. Enfin, on monte un peu plus. C'est dans cette maison que tout se déroule. Enlève ton casque, ça fait débile. Tout lui dire, c'est impressionnant. Hey, you Peter Dreyfus? I said, are you Peter Dreyfus? Who are you? You want an autograph? No offense, but I'm not reading any screenplays. Huh? I mean, il n'est pas marqué OM sur la bouteille. Right? You don't wanna... Pick up the guns, cause like, if you pick up the guns, everybody dies. It's tragedy, pathos, tedium. I'm bored. Unless, you know, you're here to copulate. I'm here to what? People, they want to consume me. They always have. To touch the hem, you know, so to speak. And who's to hold that against them? I don't. Well, what time is it? I got a few minutes before my colonic, you know, if you want to suck me off. I wouldn't mind. Motherfucker, do I look like I'm here to suck you off? I don't know what you're here for, chum. You're like some barely credible deus ex machina sent here by random chance in order to challenge my impending divinity. Man, I don't know what the fuck you just said, but guess what? I'm here for this, chum. Hey, what's this about? Do you know her? Security? What's her Security? Name? Security, this guy's trying to rape me! Leonore Johnson. It's not what you think. The one who pants you fucked over after you killed her just because you could. How much you want? How much money you want? I got enough motherfucking money, homie. I'm famous. Fuck you! I can do whatever I want. Those are the rules, civilian! Get away from me! I'm an artist! I'm not bound by the petty laws of the masses! Ah, j'ai dit, allez où ma moto? Putain, j'ai eu peur! Will somebody stop that thug? Voilà, ça qu'il faut. Ah, ça va être moins facile avec Non mais t'es sérieux? You can't do this! I'm a genius! You wrote it all down, you fucking idiot! Il est mort, ça y est.
Say hello to Leonora, motherfucker. Ah, je lui tasse la tête comme un bâtard. T'es mort. Là, il est plus mort que mort. Allez, petit selfie. Merde. On y arrive. Bon voilà les amis, on va se laisser là pour aujourd'hui, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve bien, donc on se retrouve pour le prochain Let's Play, donc qui sera la demi-finale de Ligue des Champions, face au Shakhtar, on verra ce que ça va donner. En attendant, restez chaud patate, et je vous dis à la prochaine, bye bye.